Hola. On sait quelle heure il est? On sait quelle heure il est? Ok, let's do this. So, hello guys, je suis de retour. Au début de l'été, en fait, j'avais décidé de faire un haul à propos de Zaful. J'avais sélectionné Zaful, Zara, Fashion Nova. Ok, tu sais, les websites que toutes les jeunes filles maintenant dépensent leur argent. Donc, je me suis dit que je vais les essayer aussi, puis pouvoir, de mes yeux, est-ce que ça vaut la peine aussi. Donc, avant de commencer, je vais les découvrir en même temps que vous. Je ne les ai pas encore essayés. Donc, je vais voir ça ressemble à quoi. Et on va en discuter un peu. Puis, je vais vous dire combien je les ai achetés. Puis, c'est ça. Ça a pris environ 20 à 25 jours à arriver. Je pensais que ça allait être plus vite. Mais finalement, non. Ça a pris quand même assez beaucoup de temps. Donc, là, aujourd'hui, je vais les découvrir avec vous. J'ai acheté quelques morceaux. J'ai acheté quelques morceaux. Puis j'ai dû comme en enlever parce que ça revenait quand même cher. J'ai acheté pour environ, je vais vous dire ça tout de suite. J'ai acheté pour presque 200$ de linge. Là-dedans, j'avais combien de morceaux? J'avais 11 morceaux. Puis j'avais quand même des rabais et tout. Bref, tout ça pour dire 11 morceaux pour environ 200$. On va voir si ça vaut la peine. Let's do this together. Je suis un peu excitée. C'est parti. On va commencer avec le plus petit. Je les ai reçus en deux fois. J'espère que c'est... Ouais, je les ai reçus en deux fois parce que je suppose que l'autre était loadé, donc je ne pouvais pas tout rentrer. Alors, dans la deuxième commande qui est arrivée, je pouvais avoir un ensemble de bikinis et une robe à pois. Donc, on va voir ça. Voilà. Bikini et robe à pois. Donc, le point négatif que je pourrais déjà donner sur Zaful, c'est que j'ai eu beaucoup de misère à trouver du X-large dans ce que je prenais, surtout dans les bikinis. Ça a arrêté souvent à large où il n'y en avait plus de X-large. Donc, hopefully, ça va me faire, je sais pas. Donc, oh my gosh, c'est trop cute! Ok, c'est la robe à pois. Guys, on s'entend que ça va pas me faire. Sérieusement, la robe ressemble à ça. Puis, c'est supposé être... je vais vous dire ça de suite. C'est supposé être large. Puis, c'est supposé ressembler à ça. Alors, les enfants, je ne sais point comment quand je vais faire pour que ça me fasse. Parce que regardez ça. Bref, on va s'arranger qu'on va faire l'autre. Parce que je vais faire ça en deux vidéos. Là, je vais comme les ouvrir avec vous. Puis dans l'autre, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur moi. Bref, pour l'instant, je suis un peu sceptique. C'est un large. C'est un large, ok. Puis je n'avais pas trouvé de X large, alors... ça risque d'être un cadeau pour quelqu'un d'autre. Ça m'a coûté 26,14. C'était un rabais. La robe valait 38,62. Cet ensemble-là m'a coûté 20,64. Qui était d'une valeur avant de 32,68. Je les ai pris à rabais. Puis, c'est supposé être une... C'est supposé être large aussi. Ok, so far,
Je pense qu'en bas, ça va faire. C'est toujours en haut le problème. As I say, c'est toujours en haut le problème. Guys, j'ai... Ok, so... D'accord. Donc, je vais mettre sur ma liste prochaine fois que je vais acheter sur Zafone. Pas de large. Pas de large, pas de large, pas de large. D'accord? Celui-là. Croisons les doigts, j'espère avoir plus de chance. Ok. Donc, ça va. Je suis supposée avoir une ensemble top d'eau nouée. C'est un short et des shorts à X large. J'ai réussi à trouver un X large à 26,81 qui valait 44. Donc c'est vraiment un gros rabais sale. So. D'accord, j'aurais peut-être plus de chance avec celle-là. Je crois que j'aurais plus de chance. So, l'image ressemble à ça. Ça doit être cute comme ça quand je vais le mettre. Me connaissant, je vais sûrement me battre avec pour le mettre. Donc, ça risque d'être drôle. Voilà. Pour celle-là, ben, je pense que j'ai une chance que ça me fasse. C'est X large, puis ça a l'air quand même stretch. Donc, peut-être que ça va me faire. On se croise les doigts. Ensuite, quoi d'autre que j'ai? Je vais finir les ensembles avant de prendre les bikinis. Celui-là, c'est tout en noir, tout en gris. Ok. C'est un ensemble à bretelles à rayures blanc à 24,79 qui valait 39,40 avant. Donc. C'est un quoi que j'ai pris? C'est un large. C'est un large. Puis je crois que mes fesses pourraient rentrer là-dedans. Très sincèrement, je pense que mes fesses vont rentrer dedans. Peut-être pas mon bedon. Mais mes fesses risquent de passer. Bref. Le petit top. Guys, c'est quoi le problème avec les top, man? Like, ils pensent pas aux filles qui ont des gros seins? Comme on existe nous aussi. Je vais vous montrer ça ressemble à quoi. Ça va ressembler à ça. Puis je trouvais vraiment cute. En fait, je voulais vraiment changer mon style parce que ce genre de linge là, j'en ai pas dans ma garde-robe. J'ai toujours les mêmes linges que j'achète dans les mêmes places. Puis je me suis dit c'est vraiment le temps. C'est le temps, ok, de changer de garde-robe. C'est l'été. Je me suis dit, je veux prendre des risques. Oui, j'ai pris des risques, puis je me suis brûlée, ça, là. Je suis pas encore sûre que ça va me faire. J'ai trouvé une petite ensemble à rayures. Ça, c'est elle. Le top est noir, le bas est... le top est noir, c'est ça, le bas est rayé. Puis, ça ressemble à ça. C'était un quoi que j'avais pris, c'était un large aussi. Je crois que ça risque de faire. Ça risque de faire. C'est pas trop mal. Ça valait, en fait, cet ensemble-là, ça valait 24... Ça valait 39$, puis je l'ai acheté à 24,79$. Les prix que je donne, c'est les prix canadiens, ok? Puis ça ressemble à ça sur le dessin qu'ils ont mis. Puis, tout ce que je peux dire, c'est que, littéralement, pour l'instant, j'ai rien à dire pour la qualité. Je touche les tissus, puis ça a l'air d'être de bons tissus. Puis, je regarde les coutures, puis c'est pas mal. Parce que, des fois, quand t'achètes, puis que ça vient de loin, ben, on s'entend avoir un petit peu de craps, hein? On s'entend? Oh, tiens, il y avait un zip. Oh! Oh, pas mal, pas mal. Donc, ouais, pour l'instant, ça va. Ça va, je ne veux pas me plaindre pour la qualité. Yes.
Mais je crois que ce pantalon-là ne va pas rentrer, quoi. Il ne faut pas se mentir, Judeline. À suivre. À suivre. Est-ce que c'est tout pour les vêtements? Est-ce que c'est tout pour les vêtements? Je vois... Je suis supposée avoir une ensemble. Ah, voilà. Dernière fois avant qu'on commence avec les costumes de bain. C'est une sorte d'ensemble en jeans, en couleur jeans. Je le trouvais vraiment cute. Pour vrai, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Puis si j'aurais pu acheter le chapeau, les sandales et la sacoche qui allait avec, je serais la fille la plus heureuse du monde. Je vais essayer de faire l'ensemble au complet parce que je trouve ça super cute. Est-ce que ça va être cute sur moi? Ça, c'est une autre histoire. Parce que tout ce que je trouve cute de loin, quand je les essaie, ben c'est une autre histoire. Hein? On va s'entendre. J'avais pris quel sac? J'avais pris large parce que j'ai l'impression que j'avais pas le choix. Puis je crois que ça va faire parce que dans le dos c'est stretch. Ce qui pourrait pas faire, ben on va même plus en parler. C'est ça mon problème depuis tantôt. Puis c'est pas un pantalon. Ah ouais, c'est un pantalon. Je croyais que c'était une jupe. J'ai aucune idée si ça va me faire. Sérieusement, parce que quand je les ai achetés, j'étais d'une taille et là j'ai grossi et là je suis en train de essayer de perdre du poids encore. Donc, comme je dis souvent, je suis comme un yo-yo. Je sais pas, je sais plus. Je regarde puis je pense que ça rentrera pas. Well, struggle. Donc là, c'est les bikinis. J'ai acheté beaucoup de noir et de blanc, sauf le jaune. J'avais d'autres couleurs que je voulais prendre, mais finalement, je me suis dit pour une autre fois, parce que, tu sais, je n'ai pas besoin d'autant que ça. Donc, on va commencer avec le bikini blanc. Right. On va commencer avec le bikini blanc, que j'ai dû prendre large. En fait, tous les maillots de bain, ça a été large. J'ai été chanceuse avec juste la couleur, l'ensemble comme moutarde, pas celui à poil, l'autre moutarde, c'est juste celui que j'ai eu XL, tout le reste j'ai dû prendre large, j'ai comme pas vraiment eu le choix. Et le bikini blanc vaut 28$, je l'ai acheté à 22,78$. Les deux autres bikinis, je les ai achetés à 24 et 12, puis il y en a un qui valait 32 puis l'autre qui valait 31. On va commencer avec blanc, deux morceaux. Bien entendu, je vais avoir le même problème qu'avec tous les autres. D'accord. Sérieusement. Bref, je pense que on saura quand je vais les mettre. That's cute. Ok, si mes fesses rentrent pas, ben mes fesses rentreront pas. Il y a pas grand chose à faire. D'accord. Ce tissu-là, je l'aime pas vraiment. Je le trouve un peu rugueux. Mais ça a l'air de la bonne qualité pareil. Puis moi, je regarde toujours, toujours, toujours les coutures. Puis à date, c'est satisfaisant. Je suis une experte à acheter sur les internets. Bikini noir. Ah non, mon One Piece. Oh, le blanc devait ressembler à ça. Le noir que je viens juste d'ouvrir ressemble à ça. Voilà. Et... Ah! Peut-être ça va faire. Qui sait? Encore une fois, ça a l'air d'être de la bonne qualité. Et guys, on peut enlever le petit truc à l'intérieur, il y a un petit trou.
on peut l'enlever. C'est génial parce que des fois, là, des fois c'est con, mais je les aime pas. Des fois, on dirait que ça donne à tes seins une sorte de shape bizarre. Donc, je suis bien contente qu'on puisse les enlever. Celui-là, il y en a-tu? Est-ce qu'on peut l'enlever aussi? Oh yes, on peut l'enlever aussi. Et quoi d'autre? Le dernier. Une autre One Piece. Ah ouais, mais là, lui, il semble être trop grand. Ok. Ok. I see you. Ça ressemble à ça. Puis je me demande, il est passé où? Il manque quelque chose là. On est supposé avoir des bretelles, puis j'ai pas de bretelles. Je dis ça de même, mais peut-être que je l'ai drop moi-même parce que je me rappelle. J'ai acheté sur Wish aussi parce que je vais faire une vidéo sur ce que j'ai acheté sur Wish. Puisque je les ai pas encore toutes reçues, je peux pas commencer ma vidéo. Bref, j'ai acheté sur des bikinis sur Wish aussi pour comparer avec d'autres bikinis. Puis là aussi, je pensais qu'il me manquait des parties, mais finalement, je les avais drop par terre. Mais là, je crois très sincèrement qu'il me manque des parties. Donc, je vais les écrire. Alors, voilà. C'est ce que j'ai commandé. Puis, je ne les ai pas encore essayé. Ça, c'est juste le haul. Je l'ouvre avec vous. Puis, le try-on va venir juste après. Donc, merci d'avoir regardé. Je vous conseille vraiment, si vous commandez chez Zafoul, je pense que les filles qui ont des poitrines comme moi doivent faire attention. Parce que les larges semblent très petits. Puis, ouais, point positif, les tissus semblent de bonne qualité. Les coutures semblent de bonne qualité. Donc, ça ne risque pas de déchirer pendant que je suis en train de marcher. Comme point négatif, comme j'ai dit, c'est les sizes. J'ai pas trouvé de XL dans beaucoup de choses que j'ai choisies. J'avais pas le choix de prendre des larges. Et là, les larges semblent un petit peu tight. Mais je vais les essayer, puis peut-être je vais peut-être changer d'avis, peut-être que je vais les mettre, puis ça va fuiter, puis peut-être que ça va pas fuiter. À suivre. Donc c'est ça. N'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir écouté la vidéo en entier. Puis j'espère que vous avez enjoy. Si vous voulez les liens de ce que j'ai acheté, ben je vais les mettre dans le box. En bas de description. Merci beaucoup. La vidéo n'a pas été sponsorisée pas en tout. C'est moi qui ai tout acheté avec mon argent, moi.